Re-YouTube, épisode 2 de Alien Isolation. Nous avons trouvé notre premier cadavre, on va dire. Non, on en a vu plein dans la pièce, la grande salle. On a récupéré l'outil de maintenance, qui sert à ça. Nous allons pouvoir progresser. Maintenir L2, R2. Ok. Et hop, à gauche. Nous n'avons pas encore vu l'alien. S'il y en a un, peut-être qu'il n'y en a pas, hein. Peut-être qu'il n'y en a pas, hein. J'espère qu'il n'y en a pas des aliens. Hein. Pourquoi il y a une musique comme ça là? Bon, ah ben, du coup maintenant on peut ouvrir toutes ces portes là. L2, R2, et on tourne. On essaie de comprendre ce qui se passe sur cette station. On n'a pas rencontré de survivants. On a vu des cadavres. Plus rien ne fonctionne. On a été abandonné. Jeu d'entretien, EIST. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Ça, c'est le menu. Ok, je suis même pas encore allé dedans. Registre personnel, non. Je regarde, parce que il me semble qu'on pouvait crafter les objets dans le jeu. Écoute, si t'as pas envie de me dire ton nom, on va être là pour un bon bout de temps. Je veux juste en savoir plus sur ton boss. Il vous a tous mis dans un bordel pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais bien m'assurer que quelqu'un soit responsable. Putain, ils me font peur avec les bruits, hein. Un dur à cuire, c'est ça? Turner, arrête l'enregistrement. Ils me font super peur. Juste un petit mide. Alors, attendez. Non, 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 c'est dans l'autre sens que je dois aller. Attendez, attendez, attendez. Attendez un peu, c'est où je dois aller exactement. Déjà, je peux faire une sauvegarde. On va faire ça. Il faut que je retourne aux deux verrous que j'ai croisés plus tôt. Mais attendez, il me semble que c'est par là. Non, mais non, c'est pas possible vu que je viens de là. Donc je dois bien retourner sur mes pas. D'accord, let's go. On doit bien retourner en arrière. Ah oui, l'escalier ici. Ben oui, je suis con. Alors, il y a un verrou là. Mais là, je pense que c'est la suite du niveau. On a vu qu'il y en avait un autre à ouvrir. Pardon, excusez-moi. Pardon, je marche un peu sur vous. Il y en avait un par là d'abord à ouvrir. Donc, on va aller voir celui-là. Ça roule, Rotor. Merci d'être passé. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps. Tchou tchous, mon petit Rotor. Prends soin de toi. Et à bientôt sur le stream, j'espère. Et voilà, j'espère que quand même ça t'aura plu. Tu n'auras pas vu l'alien aujourd'hui. Mais t'inquiète, je pense qu'on en verra bien assez. Allez, let's go. L2, R2, hop. Pour l'instant, on ne fait que de l'exploration. Tout se passe plutôt bien. On n'a pas grand-chose à craindre. Mais ça commence un peu à s'intensifier. Doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. Quel est cet endroit? Ramasser Camelot. Ok. Ramasser amorce, ramasser détecteur. Attends, tu vas me dire qu'il y a toute une pièce ici pour rien? Ça, cette machine, elle sert à rien. Ça, là, ça s'allume pas? Non. Est-ce que je loupe quelque chose? Est-ce que cette pièce, il y avait vraiment juste des objets comme ça, juste un peu de loot? Ok, bon. Putain, le bruit. Bon, il y avait rien, je pense. Nat! Nat! Merci! Ah, pour le petit Rotor! Merci, 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 merci. Merci pour lui. Et d'ailleurs, putain, j'ai reçu un emote. Ah oui, c'est pour le jeu Hyperscape. J'entends des bruits de ouf. Il y a trop de bruit. Merci! Merci, merci, merci. Quoi? Nat! Pour Mumu! Nat, t'es trop gentil, t'es trop trop gentil. T'es trop gentil. Merci beaucoup. Dites-lui merci, hein, les gars. Sub offert. Je vais réparer mes alertes. Mes alertes, je vais en faire des biens. Les prochaines fois, ce sera bien mieux. Merci, Nat. Merci beaucoup, 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 beaucoup. C'est trop gentil de soutenir comme ça à fond. Je te jure, ça fait plaisir. Tu vas streamer jusque quelle heure? Je ne sais pas, je suis tranquille aujourd'hui, j'ai le temps. J'ai le temps, je suis chill, donc on va encore rester un petit peu entre nous.
C'est la fête. Ouais, merci, hein. Merci, merci. Quel boss. Nat, tu dois pas, hein. Tu dois pas, Arthur. Tu me soutiens déjà depuis longtemps. C'est déjà énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est quoi le nom pour les emotes? Je sais pas. Il faut cliquer dessus. Hyper. Mais Nat! Pour Jammer ce coup-ci! Merci. Merci beaucoup. Ça m'aide à survivre. Sub offert. What the Natalia, t'abuses là! T'abuses! T'abuses, t'abuses, t'abuses. J'en vois pas d'autres. C'est normal. Il y a trop de subs. Grâce à toi et d'autres qui me soutiennent, il y a déjà trop de subs. Merci beaucoup. T'es folle, c'est trop gentil. Je jure, c'est trop gentil. Attendez, j'ai peur, mais non. Nat, merci parce que là, ça m'a fait un peu sortir du jeu. Donc là, c'est bon. Là, on peut y aller YOLO. On peut y aller YOLO. Merci beaucoup, Woody. Je te jure. Faut jamais vous sentir obligé. Hein. Je dis pas ça pour toi, mais. Faut jamais vous sentir obligé de sub, etc. Gna, 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 gna. C'est vraiment. C'est pas obligatoire. Donc gros cœur sur toi, Nat. Gros cœur sur toi. Tu commences à faire longtemps que tu soutiens. Très longtemps. J'ai peur. Bah, let's go en fait. C'est quoi ça? Je l'ai déjà lu tantôt. J'ai pas d'émote qui dab. Il n'y a pas d'émote qui dab, mais je peux dabber pour toi si tu veux. Ça, c'était gratuit. Normalement, il faut payer pour ça. Je parle pas de sub. Normalement, il faut payer avec des chez Gold. Merci. Deuxième mois de sub. Eh ouais, déjà, hein. J'en ai un. Ah ouais, trop stylé. Max Go Dab. Max Go. Tu es sur ma taille. Comment ça, Wolfsit? Comment ça, je suis sur. Hein? Tu es sur ma taille? Hein? Comprends pas. Bien joué, Clara. Bien joué. T'as vu Nat, un emote gratuit. C'est vrai, ouais, c'est pas mal. Le dos droit. Bon, et si on progressait? Je sais pas pourquoi, mais moi je me dis que Nat, elle a envoyé du soutien parce qu'à partir de maintenant, ça va devenir compliqué. Merde, je crois que c'était juste pour Nat. Calme-toi, vieux. Mon nom est Ripley. Et tu sors d'où? Ah, il a pas de cheveux comme moi. De l'extérieur, d'un vaisseau. Y a pas de vaisseau, ici. Maintenant, si. Bah ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça craint pas mal, ici. Il vient d'avoir une explosion. Ça a tout secoué dans le coin. J'ai vu ça. Mais ça... C'est bien le dernier de nos soucis. Ah, il est pas bien lui, hein. Ouais. Il est pas bien lui, hein. Il y a quelque chose sur la station. Un truc assez incroyable. Genre quoi? Un tueur. Je comprends. D'accord. Calme-toi, frère. D'accord. Calme-toi. Et toi, t'es qui? Axel. Axel. Enchanté, Axel. Embarqué avec deux collègues. On a fait une Je m'appelle Amanda. L'explosion nous a séparés. Tu veux bien m'aider à les retrouver? Pourquoi? T'as l'air de connaître les environs. Là, je veux dire, pourquoi? J'y gagne quoi, moi? Une place sur le vaisseau. En fait, c'est l'explosion quand on est arrivé qui a foutu la merde, hein. Faut que je trouve le centre de com. J'ai besoin de contacter mon appareil. Alors là, c'est ton jour de chance. Oh, c'est ton jour de chance. C'est moi qui ai apporté un vaisseau. C'est parti, poupée. Sixon Communication se trouve dans la tour Systech. Ne m'appelle plus poupée ou je te tue. Porte à côté, mais on peut atteindre un transit par la zone de fret. Clara. Toujours sur un pépin là-bas. Ok. Ça simplifie maintenant. Ah ben j'espère, hein. Ah, j'espère, j'espère. Le 27, je pourrais te regarder sur ma télé. Ah ouais? Pourquoi le 27? J'ai Dis-moi. pas envie de m'éterniser ici. Axel Follet, attends, Axel Follet. Attends, je connais le nom. Axel Follet. C'est où, c'est qui?
J'ai la ref. Normalement, je l'ai, Axel Follet. Attends, il faut que je réfléchisse un peu. Dans ma tête. Normalement, je l'ai. Bon, on fait équipe maintenant. On fait équipe avec Axel. Axel Follet. Attends, c'est un flic, non? Axel Follet. Attends. Bon. Tu passes devant? Où je dois y aller? Bon, vas-y, viens. C'est toi qui me suivais, là? Fallait bien que je garde mes distances. On n'est jamais trop prudent ici. Je peux passer là-dedans? Je vois rien. Ramasser Kaamelott. Mais c'est horrible! Donc... curieuse, c'est ça? Ah ouais, moi j'explore, mec. J'ai besoin de trouver de la Kaamelott pour le film Kaamelott. Ah mais... Ok, on va pas dans ces salles, il fait trop sombre. Désolé. Reste à côté de moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, gros? Prends un geste. Ok, ok, d'accord. On n'est pas là pour chercher les embrouilles. Vous êtes qui, vous? Moi, c'est John. Ça, c'est Ringo. C'est juste une paire de connards. On a d'autres choses à faire. Allez, viens, Janna. On cherche le centre de com. Vous pouvez nous aider? On n'a pas besoin de leur aide. Tu leur dis rien. Écoute, j'ai réussi à faire marcher l'ascenseur. Janna, tirons-nous d'ici, ok? Je suis désolé. Bonne chance. Non, mais attendez! Non! Bon, ben, ah. Bon. Je peux savoir à quoi tu joues? Pourquoi tu leur aboies dessus? Mais j'avoue, on l'a. Dans les boules. Plus personne se fait confiance. C'est plus sûr comme ça. Ouais, mais non, il faut s'entraider! Il faut s'entraider, on va mourir sinon! Si t'aimes bien Eddie Murphy. Axel Follet, est-ce que c'est dans le. C'est le flic de Beverly Hills? C'est celui-là? J'ai dit flic, hein, donc c'est ça ou pas? 13 Reasons Why, j'ai pas regardé cette série. Je n'ai pas regardé cette série. Bizarrement, je crois que je me rappelle de ce moment. Mais tu l'as fait, toi, ou pas, Wolfseed? Black Endo, il a fait le jeu, mais... Bon, attendez, j'essaie de me focus. Ton vaisseau, c'est pas des bobards. Et sur le jeu, et sur vous, les amis. Ok, une sauvegarde. Bon, en tout cas, bonne nouvelle, on a trouvé des gens en vie. Nous ne sommes pas tout seuls sur ce vaisseau. Ça, c'est déjà bien. Après, les gens avec qui on est venu sur le vaisseau, nous, notre équipage, on sait pas s'ils sont vivants. Attends là, je m'occupe de l'ascenseur. Ok. C'est bien, fais le taf. C'est un vieux machin, faut un doigté spécial. Faut un doigté spécial, il appuie sur un bouton, c'est tout. J'aurais bien aimé que l'alien le bouffe, tu vois, genre... Il ouvre la porte et puis bam. Appuie sur le bouton. Tu m'as dit qu'il fallait un doigté spécial. Vas-y, fais-le, hein. Heureusement que je suis doué de mes doigts. Vous n'y voyez pas de connotation. Essaie de pas faire trop de bruit par ici. Il pourrait y avoir des gens. J'apprécierais grandement que tu me dises ce qui se passe ici. Et tout de suite. Écoute-moi bien, mon petit. Si tu veux, quand on retournera sur le vaisseau, on pourra se détendre, se faire des tresses dans les cheveux et papoter autant que tu veux. Ouais, quand on sera sur mon vaisseau. J'ai besoin de savoir ce qui se passe et pas dans 107 ans. Ok. Comme je te l'ai dit, il y a un tueur dans les parages. Un tueur? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai pas vu, mais il est ici. Ça c'est sûr, il nous chope un par un. Tu me parles de quoi? Un psychopathe? Un dégénéré? Non, c'est autre chose. Un monstre. Axel Follet, ben oui, ben je me disais bien que je connaissais, évidemment. Évidemment. Moi, Eddie Murphy, c'est... Il y a eu un bug. Eddie Murphy, c'est vraiment l'acteur de mon enfance, quoi. Moi, j'adore cet acteur. On le voit moins au cinéma, mais non, il a fait de la musique. Appuie sur L1. Faut qu'on décampe. Baisse-toi. C'est des conneries, ça, putain. On ferait mieux de chercher une sortie. T'es complètement dingue. Il y a aucun moyen de sortir de cet endroit. Oh, ils ont des armes, hein. On est en sécurité. Ouais, mais pour combien de temps? Et on fait quoi s'ils nous tombent dessus, hein? Trop pratique pour regarder. Mec, j'ai trouvé une entrée. Ah, c'est verrouillé, fuck. Descends-lui. Va falloir qu'on fasse le tour. Suis-moi. Lui, c'est un ingénieur, lui. Il sait par où passer, il connaît.
Il connaît le vaisseau comme sa poche. On a eu la chance de tomber sur lui. Bon, après, il a l'air taré, hein. Des amis à toi ? Je suis déjà embrouillé avec ces malins. J'aime pas trop les étrangers. Même les gentlemen comme moi. Gentlemen ? Je te raconte pas de salade, petite. Si tu veux y aller leur faire coucou, tu signes ton arrêt de mort. Leurs flingues sont pas là pour faire joli. Il faut que quelqu'un agisse. C'est ce qu'ils font. Entre nous, on appelle ça l'instinct de survie. Attendez, je lis les trucs. Oui, je vais refaire du Trackmania. Je ne sais pas quand on le cite, mais j'en referai d'office. Ça me fait plus rire qu'autre chose. Oh, pff, tu vas rire maintenant, mais là, c'est que le début du jeu. Tu verras plus tard. On se retourne tous les uns contre les autres. La peur, ça rend les gens complètement seuls. J'avais remarqué. Nat, toi et moi, on sait que ça existe. Hein. Toi et moi, on est au courant de ce qui va se passer. C'est là-dedans que tu vis ? Excuse-moi, mon majordome est en vacances. Prends tout ce que tu veux. T'auras peut-être pas d'autre occasion de le faire par ici. Ah, c'est sa planque ici. Ah, on est chez lui, genre. C'est ici qu'il vit pour l'instant. D'accord. Ça va faire une semaine que je me terre ici en attendant un vaisseau. C'est peut-être vous que j'attendais. Oh, un peu de musique. Il peut faire vachement sombre par ici. Tu devrais prendre cette lampe torche là-bas. Oublie pas de faire le plein de piles avant de partir. Non. Oh non, 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 vous l'avez entendu ? Je me rappelais pas de ça. Lampe torche. Oh, on va devoir gérer des piles. Je pourrais pas allumer la lampe quand je veux. Je me rappelais pas de ça. Gaffe de pas l'allumer n'importe où. J'ai pas trop envie qu'on se fasse repérer. On y va. Non, maintenez pour la recharger. Bah, je maintiens. Ah, mais elle est pleine. Ok, elle est pleine. Y a pas des piles quelque part ? Piles. Oh, non. Les gars, si je gère pas bien mes piles, on va se retrouver dans le noir. Merde! Ah, ça me plaît pas, ça. Là, vous vous rendez pas compte, hein. Là, le jeu, on dirait que c'est un simulateur de balade dans un vaisseau qui fait peur, mais vous allez voir après ce qui va se passer. Vous allez voir! Imagine, tu te retournes et l'alien est derrière toi. Mais c'est le genre de choses qui risque d'arriver, hein, putain. Je rigole, mais imagine quand même. C'est ça, Nat. C'est ça, c'est ça. Bon, ouais, on va faire comme si les monstres n'existaient pas, que le mec est juste fou et que oui, il y a un tueur sur la station. Un psychopathe. J'ai envie d'y croire. Et maintenant ? Je vais surveiller ce conduit. Il y en a un autre quelque part par là. Je vois rien. J'ai laissé une marque dessus pour pas l'oublier. Utilisez la lampe torche pour trouver l'entrée du conduit. Et si tu jetais un œil dans le coin ? On ira nulle part tant que t'auras pas trouvé le conduit. Oh putain, ça y est quoi. Ça y est, c'est parti. Ça, c'est posé exprès pour qu'on fasse du bruit dessus. Oh là là. Donc en plus, il y a des objets qui font du bruit par terre. Il faudra faire gaffe avec l'alien. On cherche un conduit. Il y en a un là. Ça a pas l'air d'être celui-là. Axel, c'est ça ? Attends, parce que j'ai pas tout exploré, là. Ça se trouve, j'ai loupé des objets. Donc, on a trouvé le conduit. Mais ça se trouve, y a pas d'objet. Je savais bien qu'il était par ici. Tu vois, je gère Fougère. Qui dit ça ? Dénoncez-vous dans le chat. Qui dit cette expression nulle ? Je gère Fougère. Qui dit ça ? Hein ? Imagine, à des cheveux, là, ce serait terrible. Je parle pour moi, je me suis fait presque... Oui, à Z. De toute façon... Wolfseed, vous faites les malins, là, mais qui sait, dans quelques années, peut-être t'en auras plus non plus, des cheveux. Attends, je vais l'éteindre. On va économiser. Économisons les piles, hein. Ouais, tu pars. Ouais, Clara, t'abuses. Pas très prudent de s'attarder ici. Classique comme dans Seven. Oh, tu connais Seven aussi. Oh là 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 là. Seven, un putain de film. Je l'ai revu il y a pas longtemps. C'est comme ça que vous vous déplacez ? C'est comme ça que se déplacent ceux qui veulent rester en vie. J'allume pas ma lampe, hein. J'économise les piles, hein, les gars. C'est le Torrens, ton vaisseau, c'est ça ? Putain, ça m'étonne pas que tu le dis tout le temps, Clara. Ouais, je comprends. Ça sera fait. Faut qu'on rejoigne les autres. Y'a un truc qui merde. Y'a tout.
toujours un truc qui merde avec lui. Fais un effort, t'as pas envie de mettre un pétard? On va s'en sortir, promis. Je gère, alors ça va. Suivez-moi. Attends, je bois de l'eau. Santé, Mumu. Il est parti. Par là-bas. Hein. Mais... Ok, faut qu'on la mette en sortie ici. Attends, je sauvegarde. Allez, plus vite. Ok, on est safe, on a sauvegardé, donc ici, on ne devra pas recommencer. Bon, il faut pas que je fasse de bruit. Attendez, est-ce que je vais explorer là? Est-ce qu'il n'y a pas des objets ici? Il y a l'ascenseur. Ok, on s'en fout. Attends. Peut-être là, il y a un objet? Non. Ok. Là, je cours, mais quand l'alien sera là, il faut plus courir. Je m'accroupis. Mais ils sont tous... Ils sont pleins! Il faudrait qu'on aille parler avec eux! Quelqu'un est venu ici. Tout le monde se... Le dos droit! Gardez vos armes à portée de main. Ouvrez le feu dès que vous voyez un inconnu. Compris. Bougez pas, je vais vérifier la réserve. Ah merde. Ouvrez le feu dès que vous voyez un inconnu. Il est beaucoup trop nombreux pour qu'on les attaque. Qu'on les attaque? On est obligé de passer par là pour atteindre la porte au bout. Putain, on l'entend pas, le mec. Faut faire diversion. Qui va où? Le générateur. Si tombé en panne, il viendrait jeter un œil. T'es plus petite que moi. Tu feras forcément moins de bruit. Ok. Il veut que j'aille éteindre un générateur. Pour attirer leur attention. Vérifier les provisions en dernier. Attends. Le générateur, il est là. Pourquoi ? Tu te serais pas un peu servi, non ? Je peux savoir ce que t'insinues exactement ? Eh, pour info, il était avec moi pendant tout ce temps. Il manque de la bouffe, des munitions et des médocs. Si c'est pas l'un de nous qui a fait ça, alors c'est qu'on avait raison sur un point. Quelqu'un est venu ici. Ça sent pas bon. On était censé être en sécurité ici. Fais chier. Et le verrou que Joe a installé ? J'en reviens, justement. Il a pas bougé d'un... Il faut que je trouve un endroit où me cacher, hein. Tenez-vous prêt à faire feu. Parce que si je dois désactiver le truc, ils vont venir ici, hein. Le boss, c'est un putain de caissier. Il y a une plaque, là. Tu crois peut-être que tu pourrais faire mieux que lui ? C'est pas du tout ce qu'il a dit. Je voulais simplement dire que... Tu voudrais pas plutôt la boucler et m'aider à... Vite. Le générateur arrive. Non, il y a quelqu'un dans les barrages. Merde. Tout le monde avec moi. Oh, je vois rien. Je sors là ou pas? Qui est là? Montrez-vous et on vous fera pas de mal. Je crois que j'ai vu bouger. Direct, tout fonctionne. Comment tu peux le savoir, Einstein? Si le générateur avait pété, il y aurait bien joué. Oh putain. J'étais pas du... Suis-moi. Ça s'est bien passé, hein. Objectif mis à jour, fuir avec Axel. Ça s'est bien passé, étonnamment. Et là, il check les conduits. Oh, c'est cool ça, Wolfseed. Rose au bello. J'ai cru voir l'alien à un moment, j'ai rêvé, mais j'ai eu peur. C'est cool, c'est un petit concert. Profites-en avec les distances. Qu'est-ce qui se passe ici? Mec, viens. Ah, je vais aller là. Il y a un câble rouge. On y est presque. Transit est juste devant. J'espère bien que ton vaisseau est encore là. T'imaginais pas Sébastopol comme ça? On n'a pas encore vu l'alien, Zobello. Ici, tu sais. Les papiers de sortie, merci, hein, Nat, pour ton GG. Ok, je me rappelle. La règle de deux. C'est le principe que pour ouvrir une porte, il faut être... deux personnes à appuyer sur un bouton en même temps. C'est ça qui est écrit. Fermez les yeux. J'ai réussi à mettre la main sur ce truc dont je te parlais. Le chef remarquera jamais rien. Il y a toujours plein de trucs qui disparaissent quand une station ferme pour de bon. Vous en faites pas pour les douanes non plus. Sinclair a dit à ses hommes de fermer les yeux. De toute façon, ils seront sûrement trop occupés à faire les guignols ou à accepter les pots de vin pour capter. On n'a que ce qu'on peut s'offrir, je suppose. Ok, bon, d'accord. Donc là, on va devoir ouvrir une porte. Oh, de l'alcool, de l'éthanol. Donc là, je pense qu'on va devoir ouvrir une porte à deux. Et on va devoir appuyer tous les deux sur un même bouton. Ouais, voilà. Ce bouton-là, on a vu le même de l'autre côté. Je crois que c'est ça qu'on va devoir faire. Pour ouvrir cette porte-là. Je pense que c'est ça. Elle a plus de jus. Ces enfoirés nous ont barré le chemin. J'ai compris. Faut qu'on active les deux consoles en même temps pour l'ouvrir. Je le savais. Celle-ci, tu t'occupes de celle qui est de l'autre côté. Okay. J'avais compris avant. Et du coup, là, on va l'activer. Hop. Prête. À 3.
1, 2, 3. C'est à moi d'appuyer. Y'a un mec derrière toi. Enculé. Je fais quoi? Je vais l'aider. J'ai chopé cet enfoiré de voleur. T'as cru que tu pouvais te servir, connard? Lâche-moi, enfoiré. Tu fais moi le malin maintenant, hein? Je vais l'aider. Là, il va y avoir du monde, hein, avec le bruit de coup de feu. On dégage. Ces potes seront là d'une minute à l'autre. Ah ouais? Faut qu'on se casse, maintenant! Hé, bande de bâtards! Bouge! Zobello, qu'est-ce que tu as raté? On a rencontré un psychopathe. Cours, frère! Allez! T'as buté ce type? Parce que sinon, c'est moi qui l'allais tuer. Tu m'as sauvé la vie, Ripley. Dans tout ça, faut qu'on sauve notre peau. Tu comprends ce que je veux dire? T'as entendu? Chut. J'entends quelque chose. Axel? J'en ai sur moi. C'était quoi ce truc? On se barre. Je dois aller où? Faut pas que je m'arrête. Faut pas que je m'arrête. J'entends des bruits de bestioles. Je vois rien. Je vais où? Où est-ce que je vais? Allô? Aidez-moi. Help me. Appelez. Vite. À l'aide. Allez, l'ascenseur, là, plus vite. J'ai bien appuyé dessus, hein, on est d'accord. L'ascenseur, et l'autre? L'autre, je peux pas l'appeler? Je rêve pas, c'est censé arriver, là. Oh, putain. Il est là, il faut que la porte s'ouvre, faut juste que la porte s'ouvre. Ouvre-toi, putain! On est safe. Yes. Ah, ils savent mettre l'ambiance, hein. Ils savent mettre l'ambiance. Peggy 18. Ok. Bon, on a toujours pas vraiment vu l'alien. J'ai eu peur, j'ai allumé la lumière. Le pistolet. Oh. J'avoue, le pistolet, on aurait pu le récupérer. Je l'ai pas récupéré, hein. Je suis trop con. Tu crois que j'aurais pu le récupérer? J'aurais dû regarder par terre. Moi, j'ai eu peur. Je suis parti. J'aurais pas dû regarder ce live avant de dormir. Ah, ça me paraît clair, hein, Zobello. Il est trop mignon. Tu parles de qui? De l'alien? Je suis pas sûr de ça, moi. Je suis pas sûr qu'il soit si mignon que ça. Trouve un ascenseur jusqu'à Sixon Communication. Ok, donc là... on est sûr, c'est officiel, il y a un monstre dans le vaisseau. Quelle porte va s'ouvrir? En fait, c'est une sorte de métro qu'on a pris là. Cette station dessert Sixon Communication Technologie, Sixon Synthetics et Gemini Exoplanet Solution. On peut se cacher. Et là, si j'arrête d'appuyer... Merde! Si j'arrête d'appuyer sur croix, ça... Ça me sort. Bon. C'est une sauvegarde, ça? Pas du tout. Accéder au reroutage. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Utilisez le reroutage pour activer et désactiver les systèmes à votre proximité. Les systèmes partagent une alimentation d'électricité limitée. Les éteindre fournit l'électricité pour en allumer d'autres. Oh là là. Quelle grosse flemme. Consultez la carte à droite avec l'1 pour localiser la position de systèmes locaux, accéder à de nouvelles zones, créer des diversions, trafiquer les systèmes de cellules. Oh.
Ouais, système instable, système haut-parleur. Ça, je peux le désactiver. Je sais pas ce que je fais. On va ne pas toucher à ça, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Est-ce que je suis un peu sous pression? Oui. Est-ce que je dois vous rappeler pourquoi? Non. Je vais quand même le faire, il y a un putain d'alien. Et j'ai pas ramassé l'arme. J'ai qu'un fumigène dans mon inventaire. Sauvegardons. Sauvegardons. L'alien est mignon, vive le gore. Franchement, l'alien, quand vous allez le voir de près, vous allez voir, il est beau, ouais. Il est très beau. Notre équipe d'humains et de synthétiques vous remercie de votre fidèle utilisation du transit de Sébastopol. Notre équipe d'humains et de synthétiques vous remercie. Les gars, je vous ai pas dit, mais il y a des robots dans ce vaisseau. Oh, ils sont gentils, hein. Normalement. Mot de passe requis. J'ai noté un code tantôt. J'en ai noté un. Tu veux un spoil sur le gun Batasha? Non, 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 pas de spoil. Écoute les conseils de Mumu. Cours pas... d'office. Docteur, why not? Comment vas-tu, mec? Écoute, je suis... Torche de plasma requise. Je suis dans l'angoisse. Nous venons de croiser apparemment ce qui semblerait être l'alien qui a tué notre ami Axel. Qui est apparemment... décédé. Et toi, comment tu vas, mec? Ça fait longtemps. J'ai fait une grosse pause de stream, là, pendant quelques temps, mais je suis de retour. Ok. Attendez, est-ce que j'ai une quête? Est-ce que j'ai vraiment une quête? Trouver un ascenseur? Ok, trouver un ascenseur. Bon. Il y a un passage, là. Attendez, j'ai entendu une voix, vous avez entendu? Il y a des gens? Oh, il y a des gens! D'accord, je me barre. Vite, vite, vite! Vite, 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 vite! Ok, on est safe. On voit rien. Attends, j'ai une torche. Oh. Oh. Je vois ma soeur tous les jours, c'est pas un LA qui va me faire peur. Hé, hey, Clara, t'es méchante, c'est pas bien. Hé, hey, salut Logan! Eh ouais, mais c'est pratique ces lunettes, hein, vieux. C'est pratique, hein. Bon, attendez, parce que là, il y a des humains, là. Je l'ai fait, le jeu, il est super cool, ça va, je pars en vrac. Ok, cool, 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 cool. Moi, j'ai fait le jeu sur PS3 aussi à l'époque, why not? Et je l'ai pas terminé. Et là, je redécouvre sur PlayStation 4, il était à 10€. Porte fermée. Mais attends, je vais où s'ils m'ont vu, les gens? Faut pas que j'aille par là, alors. Les gens sont par là. Là-bas, il y a des gens. On va pas aller vers eux. On va retourner en arrière. On va voir. Il y avait d'autres portes. Ah, on m'a dit de pas courir. C'est vrai. Peut-être pas que je cours, du coup. Ah, je suis pas bien, là. Eh, bonne soirée à vous, hein, Mumu et Logan. Tchou-tchou, c'est à bientôt, j'espère. Hein. À bientôt, les gars. Bon. Alors, attendez. Voilà, il y avait un escalier là-bas. Bon, je cours un peu. Je cours un peu, j'en profite parce que je pense que maintenant je peux courir, mais plus loin dans le jeu, je ne pourrai plus. Alors, qu'y a-t-il de ce côté? Vous avez les mêmes lunettes? Comment ça? Comment ça? Est-ce que c'est par là que je suis arrivé? Non, c'est pas par là que je suis arrivé. Je peux rien faire ici? C'est un ascenseur. Mais c'est un ascenseur, ça! J'étais censé trouver un ascenseur. Ça, c'est juste pour se cacher. Attends, je suis obligé de passer là où il y a les humains. Oh non! Yes. Chercher. Munitions de revolver, agent collant, medikit. Ok. Je suis parti chercher mon doudou.
Moi, c'était pas cher, hein. Ça, je les ai payés 3 euros. Les marshals coloniaux recevront des rapports il y a quelques temps. Système, ah, mais attendez. Ah non, ça, c'est pour appeler. Appeler le transit, ouais, non. Faire la tour d'habitation Salomon vers la plateforme des machines. Ouais, en fait, ouais, je suis obligé de passer dans la zone où il y a des humains qui m'attaquent. On va faire une sauvegarde et on va essayer d'être discret, les gars. Ils ont des guns. Moi, j'ai pas de fusil. On va sauvegarder. Hop. Moi, j'ai pas encore de fusil, moi. Ah, mais je crois qu'après, je vais aller regarder Harry Potter, moi, pour me calmer. Après, là, le début du jeu, il est assez simple. C'est vraiment après que ça va se compliquer. Et après qu'on va pleurer. Pour le moment, on est relativement tranquille. Mais sachez que ce jeu, on va le faire entièrement en stream. Alors, attends. Là, il y a des gens, normalement. Mais où, putain? Et il faut que j'aille tout droit à la porte principale. Vous croyez qu'ils sont partis? Vous pensez qu'ils sont partis? On va dire qu'ils sont partis. Kaamelott, ok. Un badge là. Stop, stop. Merde, je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris, je l'ai pas pris. Ouvre. Un. Inventaire plein, d'accord. Lire. Mais si je fais ça, ça va faire du bruit si j'actionne ça. Non, je l'actionne pas. Hein. Je l'actionne pas. Hein. De toute façon, Nat, je me dis que le fusil, je l'aurai naturellement dans le jeu par après. Le gun. Je me dis qu'ils vont me le donner. Ah, c'est fermé! Un syntoniseur d'accès. Elle essayait de pirater la sécurité de l'ascenseur. Les circuits ont grillé, c'est du gâteau. Faut juste trouver une nouvelle cellule de données. Trouver une cellule de données pour réparer le synthétiseur. Bon, ben on va essayer de grimper là et là alors. C'est quoi? On va écouter l'enregistrement. Ils veulent me tuer. Moi, je veux bien être avec eux. Hein. Moi, je suis prêt à... T'as vu quelque chose ? Jubouni, comment tu vas, mec ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je reviens, je vais chercher... De la glace goût glace ? Goût eau, c'est ça ? Ah, Jubouni, calme-toi. Pourquoi tu dis ça ? Coucou bébé, là, espèce de fou. Il fait quoi, lui? Oh, je suis entre deux. Putain, je suis entre deux. Je cherche... Comment ça s'appelle l'objet que je cherche? Trouver une cellule de données pour réparer. Ok. Cellule de données. Il y a des clopes. Il y a lui là, mais il y en a une qui me suit là. Ah, oh putain. Mais non. Non, 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 non. Je crois qu'elle est partie en bas. On va jeter un œil. Tu rêves? Hors de question que j'aille par là. Elle a pris ton outil de piratage. Il marche pas. Mais ils sont où? Je les entends comme s'ils étaient là.
Est-ce qu'ils sont en dessous? Ah, désolé, j'ai un coup de pression. Waouh, la station. Waouh. Waouh. Je t'avais fait y jouer, non, Jbouni? Messenger. Attends, mec, je paye sur Messenger maintenant. Hein. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ah, désolé, là, je fais plus trop mon taf de streamer. Je suis juste en sueur, en stress. J'ai entendu un truc. Je suis pas bien. Ok, on a un passage là. Ok, cool. En fait, là, je suis debout. Je crois que je suis safe, mais pas du tout. Hein. Mais les gars, moi, je vais jamais réussir à faire ce... C'est quoi ce bruit? Une sauvegarde, une sauvegarde. Mais je bounis, toi, t'es un petit stressé. Hein. Les films d'horreur, c'est pas pour toi. Hein. Oh putain. Alors. Je cherche un objet. Puissance faible. Là, il y a un casier pour se cacher. Il faut retenir qu'il y a un casier pour se cacher. Il y en a un autre là. On va retenir et on va avancer. D'accord? On va avancer par là. Ah oui, et il y a ça là aussi. Ça, c'est un raccourci. Il y en a un autre là. Il y a trop d'endroits. Et là, c'est verrouillé. D'accord. Donc, je dois passer par là. Oh là là. C'est juste des humains, les gars. Il y a pire dans ce vaisseau. Ah merde, c'est pas du tout par là. Ah, peut-être. Il y a pire dans ce vaisseau et pourtant, ils me mettent mal. Hein. Demain, tu refais une cup? Trop bien, Clara. Franchement, lâche pas Fortnite, hein. Si ça se passe bien pour toi, comme ça. Munitions. Mais j'ai pas de fusil. Il me donne des munitions. Et j'ai pas de fusil. Et on revient ici. Je peux rien faire ici. Il y a un ordinateur que je peux pas utiliser. Je peux rien faire. Donc je dois remonter vers les humains. Ah, il y a un plan là. Actualiser la carte. Ah ouais, il faut que je passe. Oui, ma quête c'est d'aller dans cette pièce là. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a? Je dois rallumer le courant. Je dois passer là. Carte d'accès requise. Est-ce que je dois tuer les gens? Est-ce que je dois tuer les gens pour avoir la carte d'accès? Moi, je suis pas prêt, hein. On fait une sauvegarde. Moi, je suis pas prêt à tuer les gens, hein. Les battements du batacœur sont rapides. J'avais pas vu. Moi, je suis tellement grand, Wolfseed, que chez moi, pour être tranquille, je dois faire dépasser mes pieds du lit. Si je veux être tranquille. Bon, attends. Là-bas, je suis allé. Là-bas, je suis allé, y a rien. Là, est-ce qu'il faut aussi une carte d'accès? Niveau de sécurité trop élevé. Qui a la carte d'accès? C'est d'office un des humains. Bon. Et ici, je regarde juste dans l'ascenseur, ici. Ici, je peux rien faire. Voilà, j'avais pas fait le tour, on vérifie pour être sûr.
Donc je dois remonter en haut. Mais en haut, il y a les gens qui me cherchent. Fouille mieux, Batasha. Ouais, j'ai mal fouillé? Ok. Observons. Observons. Y a-t-il une carte d'accès quelque part? Merci, Nat. On va voir. Parce que ça se trouve, la carte, elle était sur le pute. Ramasser le... Ce qui vient de se passer ici, sous vos yeux ébahis, ça montre bien que je ne vais pas survivre à ce jeu. Putain, Nat! Les gars, j'allais repartir combattre les humains alors qu'il y a le gun ici et la carte d'accès! J'allais vraiment partir comme ça? Par contre, attendez avant que je ramasse. Est-ce que... Il n'existe pas... Nat, ça, tu peux me dire. Mais attends. J'ai mon inventaire. Medikit! L1 pour fabriquer. Ah, mais attends. On va se soigner, hein. J'ai gardé ma vie en bas à gauche. Elle était toute, toute basse. Ok. Ok, 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 ok. Salut, Meluisto! Ouais, ça fait un bail, mec. Comment tu vas? Comment tu vas, mec? Oh, je suis trop nul. Kiryu. Kiryu, j'avais besoin d'un GPS. Les aliens ne grandissent pas dans les personnes qu'ils contaminent. Alors si, pour ceux qui ne connaissent pas, dans Alien, il existe une reine alien. Comme une reine abeille. Sauf que c'est une reine alien. Elle pond des œufs. Des œufs qui sont énormes, plus gros que ma tête. Qui sont énormes. Dans ces œufs, il y a des sortes d'araignées qui ressemblent à une main, comme ça. Mais et avec une grande queue. Cette araignée va essayer de trouver des êtres humains ou des êtres vivants. Ça peut être un chien, un prédateur, toi, ça peut être toi. La main, ta grippe, elle t'étouffe, tu t'évanouis, elle s'accroche à ton cou, elle te met un tube dans la bouche et elle te pond un embryon dans la gorge qui va venir jusqu'à ton estomac. Ou tes intestins, ou je ne sais pas où, mais quelque part là-dedans, tu vois. Et après un certain temps, ça dépend de quelques paramètres, il y a un petit alien qui va sortir de ton ventre, et pour sortir, il va te péter les côtes, t'éclater le sternum, peut-être, sortir la tête, et partir. Il est minuscule, sauf que les aliens s'agrandissent très, très vite. Voilà, pour ceux qui ne savent pas comment on fait des aliens, vous savez tout. Ah! Ouais, je sais, Zobello. Moi, je dis monter en haut. Ou descendre en bas. Merci, Arnat. Et j'ai la clé. Attends. Revolver, j'ai 8 balles. Comment ça marche? Ok, ok. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. C'est comme ça que ça marche. Bon, on va pas tirer, hein. Est-ce que là, c'est là qu'il me fallait la carte d'accès? C'est là qu'il me fallait. Écoute, Maël, ça va très bien. J'ai un peu peur, mais ça va très bien. J'ai pas sauvegardé! J'espère qu'il y avait personne, que tout va bien. Sauvegardons. On a le flingue, on sauvegarde. Je vous conseille vraiment Prometheus. Non! Ne regardez pas Prometheus, n'écoutez pas Jbouni. Allez regarder Alien. Regardez Prometheus après tous les aliens si vous voulez, mais Prometheus est, a foiré trop de trucs et n'a pas assez de sens. Regardez les aliens. Prometheus est bien, mais regardez d'abord Alien. D'ailleurs, ça fait penser à Prometheus, ça. Ok. Je vous rappelle aussi que je dois bien regarder s'il n'y a pas des piles. Enfin, mais regardez les objets, il faut le voir quand même. Hein. Parce que ma lampe torche utilise de l'électricité qu'on accumule dans ce qu'on appelle des piles. Bombes fumigènes. Où ça? Je peux la ramasser, mais elle est où? Ah, un schéma! Afficher le menu radial. Ok, je peux faire des bombes fumigènes maintenant. Ça y est, hein, là on va rentrer... ça y est, les gars. Là, on a un gun... ramasser Kaamelott. Mais attends, parce que je peux peut-être fabriquer des trucs. Medikit. On va le fabriquer. Ouh là là. Alors, ça paraît brouillon. Ce que vous voyez tout à gauche... C'est les objets que j'ai. Le milieu, c'est les objets dont j'ai besoin. Pistolet seringue, j'en ai un, j'en mets un.
Ici... Ah non, c'est ça, c'est ça. Là, c'est un mélange. Et le troisième, agent collant. Et l'improfabriqué. Et là, j'ai créé un medikit. Ok, c'est assez simple. C'est assez simple. C'est comme ça qu'on va créer les objets. C'est pas bien compliqué. C'est pas bien compliqué. Je pourrais en faire un autre. Je pourrais en faire un autre. Hop. Et là, on a un deuxième medikit. Avant, c'était comment on fait des bébés. Maintenant, c'est comment on fait des aliens. C'est exactement ça. Ça s'appelle des alphas, les araignées. Ah ouais, ça s'appelle des alphas. Ah, je ne savais pas. J'ai surkiffé Prometheus. Mais est-ce que t'avais déjà vu Alien avant ou pas? Parce que ceux qui connaissent pas Alien et qui ont vu Prometheus, bah, tout paraît nouveau, tu vois. Prometheus est... En fait, il y a trop d'incohérences, il y a des trucs... Ils ont voulu mettre trop de trucs qui servent à rien. J'ai bien aimé aussi, hein, mais... On va d'abord explorer cette salle avant d'aller voir le cadavre. Parce qu'on a vu un cadavre, hein. La boîte noire. La boîte noire du Nostromo. Le vaisseau perdu de Alien. Quoi? Ah. On dirait qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Ça aurait dû nous donner pas mal de réponses sur la mère de notre personnage. Ok. Ok, Clara, tout de suite. Mais calme-toi, calme-toi, calme-toi. Concentre-toi. J'ai entendu un bruit derrière moi. Faut que je me cache. Y'a rien pour se cacher. Qu'est-ce que je suis censé faire? À l'aide. Aidez-moi, je sens que l'alien va arriver. Ça fait trop de bruit. Y'a pas une trappe? Je suis pas assez observateur. Aidez-moi. Ah si, je vois. Vous l'avez entendu, hein? La ligne, il est là. Vite, 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 vite. Genre... C'est bon? Non? Ok, et ensuite, je fais quoi? Bon, testons ce truc. Faut se barrer, hein. Comment ça marche? Avec R et utiliser L et R1 pour rentrer le code qui apparaît. Un V? Oh, c'est stylé, c'est bien fait, les gars. Bon, vous avez peut-être pas compris, mais... les halettes, c'est bien, vous avez bien spam, les gars. Attendez. Y a force, y a pas courage, c'est force les gars, y a la commande force les amis. Oh, je peux me... Oh oui, on peut se cacher sous les tables normalement. Oui. On se barre, hein. Attends, est-ce que je dois vraiment me barrer? Ah ouais, je dois retourner dans la pièce principale avec l'ascenseur, mais non. Ok, sauvegarde, sauvegarde. Ok, on doit retourner en haut avec les humains. Mais non, on a un fusil, mais... Mais on a, oui, on a que dalle de balles, quoi. Le but, c'est pas de buter les humains. Hein. Force alien. Oh, ils ont verrouillé là. Désactiver le verrou de sécurité. Je fais comment? Il est où le verrou de sécurité? Hop. Ça, est-ce que je peux ou pas? Non. Là d'office ici, non. Oui, on peut. Ok. Force au slip de Batacha.
Et il racontait quoi, Jbouni, en fait? Parce que j'ai lu un peu, j'ai à peine lu plus haut ce qu'il a dit. J'ai un super fun fact sur une des scènes du premier film Alien, mais faut pas spoiler. Moi, je sais. Sans spoiler, personne n'était au courant de ce qui a, de ce qui allait se passer pendant la scène où tout le monde mange à table. Nat, rappelle-toi, Nat. Quand ils mangent tous à table, personne, les acteurs n'étaient pas au courant, à part un seul, de ce qui allait se passer. Voilà. C'est ça son anecdote, je crois. Hein. Exactement. Sébastopol, un avant-poste du progrès, l'isolation désolante. Une station spatiale superflue, gérée par une entreprise passée dans l'oubli. Sébastopol n'est plus qu'un trou paumé. La population ne recouvre que 10% de la capacité maximale de la station. Mon nom est Julia Jones, j'ai vécu 2 mois sur Sébastopol. Ok. On s'en fiche, personnel, archive. Chief, terminaux de Sébastopol. Chief, la bonne nouvelle, c'est que j'ai archivé 80% du système de courriel interne de Sébastopol, blablabla. Vas-y, mauvaise nouvelle, que la banque... Ok, it is not intéressant. Moi, ce que je veux, c'est partir... loin. Est-ce que je dois pas désactiver quelque chose ici? Voilà, c'est ça. Ça y est, les gars. L'alien est là. À partir de maintenant, on fait plus de bruit. À partir de maintenant, on arrête de courir. C'est pour ça que j'en profitais avant. Maintenant, c'est mort. Maintenant, on peut se cacher sous les tables. Maintenant, on peut pleurer. Maintenant, j'ai envie de sauvegarder tout le temps. Maintenant, c'est parti. Le vrai jeu commence. Et ça craint. Il est parti par là, mais on doit aller par là. Monsieur l'alien! Il y a ça là, mais si on l'ouvre, on va faire du bruit. Est-ce qu'on l'ouvre? Est-ce peut-être qu'il est passé dans un trou? Oh putain, il y a un trou là. Et s'il y a quoi là? Il y a rien. Mais si j'ouvre ça, ça va faire du bruit. Et on le fait, on le fait, on le fait quand même. Griot. Attendez. Il faut que j'aille... Ah ouais, il faut que j'aille là-bas. Attends, non, c'est pas là-bas que je dois aller. Merde, c'est un étage au-dessus, non? Attends, comment je fais pour changer l'étage? Ah, c'est au-dessus, je dois remonter. Ah non, mais attends, attends, il faut qu'ils arrêtent de faire leur bruit, là. Faut qu'ils arrêtent de faire leur bruit, là. On va passer par là. On espère que l'alien n'est pas dedans. Faut qu'ils arrêtent de faire des bruits bizarres partout, tout le temps. Il y a une scène dans le casier où on voit l'alien. Je sais pas. Alors, dans le jeu, on peut se cacher dans des casiers. Dans le jeu, on peut le faire. On peut se cacher plein de fois dans des casiers. Attends, parce que tantôt, je pouvais pas ramasser. Peut-être que je peux, mais non. Non. Là-dedans, il n'y a plus rien. Camelot, je peux pas. On va sortir par là, et puis on remonte. Ah, je sais pas, hein. Ouais, on va dire que... Pourquoi il y a un... Pourquoi il y a un bip-bip? Je vais sauvegarder. On doit remonter par là après.
Allez, sauvegarde, vite. Alors, Wolfseed, regarde, on peut se cacher dans le casier. Hop. Attends un peu, pourquoi je suis sorti direct? Attends, je reste dedans pour voir. Là, je touche rien. Ok, d'accord, j'ai compris. Et là, je peux vraiment regarder un peu... Oh là 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 là. C'est le bip bip de la mort. On a déverrouillé la porte, maintenant faut grimper. Faut monter. Je suis pas bien. Clara. Clara, nous avons vu l'alien. Il est là. Arrêtez avec cette musique. L'alien est officiellement là. On se rappelle qu'il y a des humains là-bas aussi, donc peut-être que les humains vont l'attirer. Qu'est-ce qui se passe si je rate? Je me demande. La porte va s'ouvrir, ça va faire du bruit. La porte va s'ouvrir, ça va faire du bruit. Mais pourquoi ils font ça? Je dois vraiment aller par là en fait? C'est la grande salle, on doit aller à l'ascenseur. Hein. Un cadavre. Je l'ai entendu, l'alien est là. Il faut voir où il est. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Je l'ai vu. Il est passé dans les conduits. Maintenant il est dans les conduits. Et il y a un humain là-bas avec un fusil. Maintenant faut pas faire de bruit. Il faut que l'humain fasse du bruit. Il faut pas qu'on... Il est où? Quelle saloperie! Je dois aller juste là, je dois juste aller là. J'y vais. C'est en dessous que je dois aller, c'est ça? C'est en dessous. Il y a un humain là, il y a un humain là, il faut pas qu'il me voie l'humain. Si l'humain me voit, ça va faire du bruit. Et il y a l'alien en plus. Comment faire? Je dois aller à la porte là. Fumigène. Non, c'est pas une bombe fumigène. C'est un fumigène. Je peux le lancer peut-être. Non, 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 il va s'activer sur moi. Je fais quoi? Je fais quoi? Mais barre-toi, l'humain! Je dois aller là. Je sais que vous êtes là et que vous êtes humain. Parti. Baltringue. Mais pourquoi il reste là? Je peux pas le buter. L'alien va le tuer. L'alien va le buter. Oh, l'alien, il est là-bas! Mais il parle!
Alors. Faut que je réfléchisse. Quoi, tu vois, si je le tue, je fais du bruit. Ok, let's go. Tout est une histoire de putain de patience. Lâche, lâche, lâche. Mais non. Ok, bon, on va le buter. Tant pis pour l'alien, on va le buter. Putain, je dois revenir ici. Ok. Là, c'est la première fois que je découvre l'alien, donc je teste. Je teste, là, c'est normal. Maintenant, je sais que je peux courir jusque là-bas. J'ai des fumigènes, mais... En fait, ce qui aurait été bien, c'est d'attirer l'alien sur le mec. Et je sais pas comment faire. Alors, V. Tac, S, et ce truc qui ressemble à rien. Hop. Coup-ci, il a tué tout le monde. Ce coup-ci, c'est lui et moi. C'est ça le problème, hein. C'était pas ma faute, l'alien n'avait pas tué tout le monde. Nakwal, salut. On se barre. On se barre. Let's go. Putain, c'était donc ça. L'alien a pas fait son taf. Il a pas tué tous les humains. Hein? YouTube, on va se dire au revoir ici. On va se dire au revoir ici, là. Twitch, on reste encore un petit temps. YouTube, on aura vu l'Alien, épisode 2. Ça va être sympa de se cacher, jouer à cache-cache avec lui et les humains et les futurs androïdes. Ça va être sympa. Nat. Nat. Attends, tu l'as offert à qui? Pourquoi je vois pas? À Black Endo. Je suis pas sûr qu'il le mérite, hein. Non, merci Nat, t'es la boss. Sub offert. Tous les visiteurs peuvent enregistrer à l'arrêté. Merci Nat, merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a trop d'émotions là. Je suis submergé d'émotions. Ce jeu fout les boules. Nat, merci pour ton réconfort et ton soutien. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Et Black Endo, tu peux la remercier. Hein, tu peux la remercier. Alors c'est quoi c'est cette commande? C'est ça? Tac, tac, tac. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr. Attends, je teste. Voilà. Et sinon, moi, ça va, Nakwal, ça va très bien, mais c'est très dur. C'est très, très dur. Enfin, j'ai peur. YouTube, salut!